Axel Laurence est à 23 ans l'un des plus grands talents du cyclisme français. Champion du monde U23 et coéquipier de Mathieu Van Der Poel l'année dernière, il a été annoncé en 2025 dans l'une des plus grandes équipes du peloton, Ineos Grenadier. Bienvenue dans l'interview Sky Joe d'Axel. Il doit répondre aux questions en maintenant les cartes en équilibre. Quand la structure s'effondre, l'interview s'arrête. Bon Axel, je te propose ce petit jeu de cartes. Tu mets les deux cartes sur la couleur, faut qu'il y ait deux coins dehors. Et t'as une carte qui peut aller de partout. Et en même temps, on discute un peu. D'accord. Déjà, vas-y, commence. Mets la première carte. C'est chacun son tour, du coup. Ouais, je te laisse mettre les verres. Moi, en plus, je suis lyonnais, donc je déteste le vert. Je te laisse commencer. Axel, déjà, on va parler de ta saison en arc-en-ciel que à l'entraînement. Ouais. Ça fait comment d'être champion du monde, de le porter qu'à l'entraînement? Forcément, c'est un peu frustrant, mais non, franchement, honnêtement, c'est quand même quelque chose de spécial, quoi. Même à l'entraînement, quoi. Et est-ce qu'il y a des mecs, genre, qui pensaient que t'étais un cyclo parce que ils ont vu un mec quand je fais la du monde? C'était pas Van Der Poel, ils se disent, c'est qui ce cyclo? Ouais, bah alors déjà, en Espagne, au tout début, tout le monde m'appelait Van Der Poel. Donc je faisais salut, bon, je disais rien, mais. C'est vrai qu'il y a pas mal de gens, ils m'appellent Van Der Poel. Je crois au Critérium de Lisieux, pareil, tous les tours, il y a un mec. Les mecs, ils m'appellent. J'ai pu le faire en meilleur arc-en-ciel, mais ouais, après c'est marrant, c'est sympa quoi. C'était comment d'ailleurs cette saison avec des grands coureurs comme ça? T'avais fait quelques courses déjà avec la. Ouais, bah ouais, j'avais pas couru avec souvent avec Jasper, Mathieu, etc. Mais non, après, bah c'est vrai que Mathieu c'est un super mec et je pense qu'il met une bonne ambiance et bah sur moi, sur les monuments, le Tour de France, etc., bah ça m'a aidé énormément. Tu relativises vachement, du coup t'es vachement relâché et t'as pas l'impression d'être au départ d'un San Remo ou une. Tout quand tu as Wonder Cool, ouais, Philippe, c'est ça. Dans l'équipe, vous avez tout gagné, donc ça doit être tellement complaisant. Puis rouler pour la victoire de Philippe. Vous êtes roulé pour la victoire de Van Der Poel, ça doit être tellement satisfaisant. Bah ouais, et puis quand tu prends le départ, déjà tu sais que t'as un rôle, c'est important parce que tu sais que les gars derrière ils peuvent les gagner, donc non, c'est hyper important et après ouais, quand ça gagne forcément c'est toujours mieux. Et malgré ça, l'année prochaine tu t'en vas? Ouais, bah ouais, après franchement ça a été un choix, je pense, le plus difficile pour l'instant de ma carrière. Ouais. Plus difficile de ma carrière, mais voilà. Quoi, t'es agressif, hein? Ouais. Tu joues de la même manière que tu cours. Ouais. Non, mais voilà. Après, c'est des opportunités qui arrivent comme ça, et je me suis dit pourquoi pas. Forcément, quand il y a Mathieu et Jasper dans l'équipe. Je sens. Là, on n'est pas bien là. Mais ouais, non. Voilà, c'est des opportunités qui arrivent comme ça, et quand il y a Mathieu et Jasper dans l'équipe, c'est difficile. Surtout que voilà, j'ai compris que les classiques c'était un peu mon terrain de jeu, donc. Voilà, l'opportunité s'est présentée, donc voilà, j'ai foncé, je me suis dit, voilà, c'est comme ça, c'est le vélo. Du coup, l'année prochaine, ça va être quoi l'objectif? Progresser sur les classiques, de rentrer un peu plus dans des résultats, même si voilà, je sais que sur les classiques, les victoires, c'est toujours difficile, mais toujours continuer d'apprendre et ensuite gagner. Pour attaquer, en vrai. Ouais, je pense que voilà, ça sera beaucoup. Prends pas trop de risques. Là pour moi t'es genre secteur pavé, tu roules dans la gouttière, mais à tout moment j'adore la gouttière moi, mais ouais non, allez finito. Oh non, on lève les bras. Et du coup attends, pour les vacances, juste pour terminer, ouais, tu fais quoi là du coup pour couper un peu avec ta saison? Bah c'est un peu short parce qu'en fait je finis le 20 octobre. Ah oui. Donc un peu tendu et on a un peu un camp de cohésion plus trucs médicaux avec Ineos du 3 au 7 novembre. Donc ça va être un peu chaud, peut-être que je vais essayer de rester en Italie quelques jours, mais non, après j'ai ma maison qui vient de finir de construire là, donc bravo, je devrais emménager 23 piges, le même âge, t'as déjà une c'est part. Ça en Bretagne, et du coup je devrais emménager là quand je rentre d'Italie, donc je sais pas, je vais peut-être quelques jours en Italie, mais c'est pas sans plus quoi. Ok, trop cool, merci gars.